Tantalis, partenaire officiel de l'Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël, vous présente votre vidéo. Nous sommes avec Bélonie Dumas, défenseur central de l'Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël. Bonjour Bélo. Bonjour, bonjour. Alors Bélo, est-ce que tu peux te présenter ? Eh bien, comme tu l'as dit, Bélonie Dumas, je suis né à Oullins, dans la banlieue lyonnaise. Je suis né en 1989 et... 18 voilà. Juillet. C'est ça, le 18 juillet, pour le soleil. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours jusqu'à aujourd'hui ? Alors, tu as fait 4 clubs assez importants, puisque tu as fait Nancy, Évian, Mulhouse, Boulogne, mais tu as commencé à Lyon, je crois. Voilà, ben en fait, moi, j'ai débuté ma formation à Lyon, donc très jeune, jusqu'en 16 en nationaux. Ensuite, j'ai décidé de rejoindre Nancy, où je suis allé jusqu'en CFA, où j'ai fait 3 ans. Ensuite, j'ai eu un petit coup de moins bien, donc je suis allé à Châteauroux, où j'ai fait seulement 6 mois, où ça s'est mal passé. Donc là, à ce moment-là, j'ai décidé de mettre un terme, entre guillemets, à ma carrière pendant peut-être 1 an et demi. J'avais besoin vraiment de souffler et de plus faire de football. Donc ça a duré pendant 1 an et demi. Ensuite, j'ai eu un appel de Pascal Duprat qui m'a appelé et qui m'a dit de venir à Évian. Donc j'ai évolué avec la réserve d'Évian pendant 1 an. À la suite de ça, je suis allé à Mulhouse pendant une très très bonne année. Notamment où il y avait le Racing Strasbourg, donc c'était une belle année. Et puis après, j'ai signé pendant deux saisons à Boulogne. Et là... Je nous ai rejoint l'Étoile. Et tu crois que quand tu as été recruté, en fait, tu as fait un essai de 2 jours, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, mon agent m'a appelé, il m'a dit qu'il y avait que M. Pilorget recherchait un défenseur central. Donc, je suis venu pendant 2 jours et ça a été concluant, donc j'ai signé dans la foulée. D'accord. Alors, on va parler un petit peu football, bien sûr, hein, dans un premier temps. Hein. Alors, quel est ton joueur préféré de foot ? Eh ben, aujourd'hui, moi, c'est Vincent Kompany. Manchester City. C'est ça, Manchester City. Bon, on a un peu les mêmes caractéristiques physiques. Central, métis, crâne rasé. Donc, je prends exemple. Et c'est aujourd'hui défenseur. Ouais. Alors, quel est le maillot que tu rêvais de porter quand tu étais petit ? C'est pas Lyon, alors ? Non, c'est pas Lyon. Franchement, c'est pas Lyon. C'est un maillot important, mais c'est plus celui de Manchester United. Où Rio Ferdinand, mon vrai défenseur, évoluait. Voilà, Old Trafford avec Beckham et compagnie. Donc c'était vrai, c'est vraiment ce maillot-là que je rêverais d'avoir. D'accord. Alors si tu as, dans ta courte carrière, pour le moment, quels sont tes meilleurs amis, ceux que tu as encore, tant au téléphone, par SMS, pour en citer 2-3 ? Bah, j'ai pas mal d'amis, parce que j'ai fait quand même pas mal de clubs, comme tu as dit, malgré ma jeune carrière. Donc bon, après, je communique encore aujourd'hui avec Pascal Johansen, Loïc Loval. Il a joué à Vannes. Il a joué à Utrecht, Pascal Johansen qui a joué à Marseille. Voilà, avec plusieurs joueurs. Maxime Gonalon qui est un très bon ami à moi en formation. Et voilà. Alors, quel est le meilleur joueur avec qui tu as joué ? Tu nous as parlé d'une star, je crois. Ouais, d'une star qui est en ce moment... Moi, ça fait très longtemps que je le connais, donc c'est Atem Ben Arfa. Qui joue à Nice aujourd'hui. Ben moi, quand j'étais en catégorie de jeunes, je m'entraînais avec lui et c'était déjà très très fort. Donc ce que je vois là, ça ne m'étonne pas du tout. Et alors quand tu l'as revu, là, il t'a demandé pourquoi tu avais coupé tes cheveux. Ben, quand il m'a revu, il a bugué un petit peu. Il m'a regardé, il m'a dit « Putain, je te connais ». Je dis « Ah oui, ok, je vois avant. Mais ils sont où tes cheveux ?» Je dis « Ah, ça c'est fini maintenant. Ça c'était avant. » Alors certains disent que tu t'es rasé la tête en fait pour avoir l'air plus méchant sur le terrain. C'est Damien Moulin qui a dit ça. Damien Moulin, oui, parce que je pense qu'il aimerait être un peu comme moi. C'est pour ça, c'est une petite dédicace. Non, c'est comme ça. Je trouve que ça me va mieux que que maîtresse, parce que bon, quand ils voient les photos, les autres ils me vannent, donc bon, je suis mieux comme ça. Ouais. Alors, à part toi, qui met le plus de coups à l'entraînement ? Ben moi, j'en mets pas beaucoup, hein. Moi j'évite, hein. Je fais attention, hein, parce que, bon, on a besoin de tout le monde, mais il y a Damien Moulin qui en met beaucoup, il y a Outrebon. Julien Outrebon ? Ouais, Julien Outrebon. On dirait pas comme ça. Hein. Ah non, on dirait pas, hein. Il est fin, mais attention, il met des coups. Hein. Ouais, puis il y en a 2-3 que je dois oublier, Raph aussi, il en met pas mal. Marignal. Non, j'avais oublié. Marignal, attention, hein, ça découpe. Non, moi, à l'entraînement, je suis très gentil. D'accord.
Bon, bah. Est-ce que tu as une anecdote marrante du vestiaire ? Qui s'est passé dans l'année, un truc sympa ? Ouais, ben. Je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître. Tu sais, quand on part plusieurs jours en déplacement comme ça, c'est-à-dire quand on démarre le jeudi, il y en a qui passent beaucoup, beaucoup de temps à dire au revoir à leurs copines. Petit bisou, petit ceci, petit cela. Le téléphone, ils se reconnaîtront. Voilà. D'accord. Alors, quels sont tes sites internet préférés ? Je crois que tu n'es pas trop internet. Moi, je ne suis pas trop internet, Facebook, tout ça, c'est pas trop mon truc. Bon, après, je regarde quand même le site de foot national et puis le site de l'Étoile aussi, de temps en temps, mais c'est pas trop mon truc. C'est pas trop mon truc, d'accord. Non. Alors, qui chante le plus mal sous les douches ? Alors, on va parler de toi, mais est-ce qu'il y en a un autre qui chante pas terrible ? D'autres, non, parce que bon, peut-être avec ma grosse voix, je couvre tout le monde, mais c'est vrai que je chante pas très bien, c'est pour ça que j'évite. Justement, là, tu nous as dit que t'allais, on a la chance, tu nous as dit que t'allais nous faire un petit slide. Ah ouais. Donc ouais, on va voir si tu chantes si mal que ça, puisque il y a quand même un concours à la fin de l'année. Ouais, a... je vais montrer à Marignal ce que c'est, comment on fait, ces vieilles chansons là. Bon bah on t'écoute, tu fais la petite danse avec alors. Alors attention, je me lève. C'est parti. Attends. Donc faut bien cadrer là, parce qu'il y a aussi le, tu vois, il y a là, tout voilà. Peut-être ici. Les sponsors derrière. Ouais. Ok, très bien. Donc ça commence comme ça. Je m'éteins. Comme une flamme, lorsque tu n'es pas là, je t'attends, mon doudou, viens vers moi. J'arrêterai là parce que il y en a qui vont me banner. Bon bah écoute, là je pense que tu vas rentrer dans le top 3, après on verra, nos supporters feront le choix en fin de saison du meilleur chanteur. Alors quels sont tes loisirs en dehors du foot ? Beaucoup de siestes, hein, je crois. Ah ouais, beaucoup de siestes. Franchement, je dors beaucoup. Je dors beaucoup. Ouais, je récupère beaucoup. Parce que je suis quelqu'un d'assez dynamique, donc j'ai besoin de beaucoup dormir. Après, bon, j'aime bien voir mes potes et puis se retrouver petite sortie ensemble le soir, tranquille. Tranquille. Alors, quel est ton film préféré ? Training Day. Ah oui, j'ai vu avec Denzel Washington. C'est ça. Pas mal. C'est ça. La culture un peu. Ah ouais, c'est ça. Oui, c'est un bon film, ouais. C'est un très bon film, moi. C'est un de mes films préférés. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une réplique de film que tu connais par cœur ? Une réplique de film ? Alors là, tu me poses une colle. Honnêtement, par cœur, non, j'en ai vu plein, mais par cœur. Tu avais parlé de la tour, Montparnasse Infernal. Ouais, mais il y en a tellement que j'aime dedans que je ne me rappelle même pas, je pourrais pas te dire. Honnêtement, je pourrais pas. Bon, c'est pas grave, hein. On va passer à la question suivante. Alors, ouais. Quelle est ton émission de télé préférée ? Oula, là encore, je vais me faire vanner. Bon, alors, c'est la période, hein, je regarde les Marseillais. C'est pas terrible. Ça passait l'après-midi, je crois. Hein. Ça passe l'après-midi, ouais, en fin de soirée, c'est... Je me lève pour regarder ça. C'est pas terrible, je sais que je vais me faire vanner, mais bon, tant pis. Un petit peu Arte, non ? Ouais, de temps en temps, Arte, ouais, j'aime bien Arte, tout ça. Franço, c'est pas mal. Quelle est la personne la plus connue de ton répertoire téléphonique ? Je crois que c'est ton cousin, hein ? C'est ça, ouais, Loïc Rémy. Qui joue à Chelsea. Il joue à Chelsea actuellement, ouais. Ah oui, un grand joueur. Hein. Oui, très grand. Très grand joueur. Sélections en équipe de France. Hein. Quelques sélections en équipe de France. En plus, bon, aujourd'hui, il évolue dans un des meilleurs clubs d'Europe. Non, c'est très bien. Alors, quel est le joueur qui a le moins de style dans le vestiaire ? Il y en a pas mal. Hein. Bon, il y a Amar, Ben Melouka avec ses survêtements Lacoste. Là, bon. Ça va, mais bon. Il y en a 2-3 qui ça va pas trop. Et il y a Julien Autrebon. Moi, j'adorerais passer une journée avec lui et lui faire un bon relooking. Parce que ces jeans de 1930 et les petits hauts qui vont juste là. Non. C'est pas possible, Jules. Alors, si tu avais une personnalité connue à inviter à dîner, on a parlé d'une chanteuse. Sans hésiter, Rihanna. Ouais, je lui ferais même à manger tout, comme elle veut. Alors, si tu n'avais pas été footballeur, quel métier aurais-tu exercé ? J'aurais aimé être pilote d'avion de chasse. Ça a toujours été un rêve. J'ai jamais fait d'études dedans ou quoi, mais c'est vraiment un truc qui me fascine vraiment. Ouais, qui me fascine vraiment. Bah écoute, Bello, on te remercie pour cette interview. Et donc, je crois que tu as un petit clin d'œil, un petit hommage à faire. Ouais, j'ai un hommage à faire. Bah, c'est pour un ami que je pense beaucoup de gens connaissent aujourd'hui. C'est Mauricio Alves Perucci, qui est décédé il y a bientôt 2 ans, le 12 avril. Et ça fera 2 ans qu'il évoluait avec moi à Boulogne-sur-Mer. Et ben,
C'est un accident de voiture, je crois. Un accident de voiture, oui. Et ben, je ne l'ai toujours pas oublié, donc je lui fais un gros hommage. Enfin, salut, ouais. Voilà. Merci Bélo, et allez l'étoile. Allez l'étoile.